ce soir, je vais vous parler, je le ferai en deux temps, tellement c'est vaste, d'un sujet, la confusion. Et je vais vous parler de la confusion parce que nous sommes dans des temps de confusion extrême. Je vais en citer un peu, mais vous allez peut-être trouver plein de trucs que vous pourriez mettre dedans. D'abord, il y a une confusion générale parce qu'on inverse le bien et le mal. On appelle le bien mal et le mal bien, comme c'était prophétisé en Ésaïe. C'est impressionnant, même. C'est impressionnant. On va voir les effets de la confusion, parce que ça nous en est parlé beaucoup dans la Bible, sous certains noms. La confusion, par exemple, à l'Assemblée nationale, ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein. Mais on a vu, ça va crescendo, ça devient une espèce de folie. Personne ne se comprend, tout le monde parle en même temps, tout le monde s'invective, c'est du n'importe quoi, il n'en sort rien. C'est vraiment une stérilité totale, au point qu'il n'y a plus de gouvernement du tout. Donc, confusion absolue. La confusion des sexes. Ah, c'est pas grave, oh ben t'es né homme, mais si t'as envie d'être femme, tu peux devenir femme. Bon, tout ça, on verra que c'est de la rébellion contre Dieu totale, évidemment. Mais on enseigne ça aux enfants. T'as envie d'être une fille ou t'as envie d'être un garçon. Et c'est carrément, il y a confusion dans l'éducation nationale. Vous êtes d'accord ? Confusion, mais comment les enfants vont avoir des repères normaux ? Déjà, les adultes n'en ont plus. Eh bien, les enfants, c'est multiplié par 10, par 100, parce qu'ils vont complètement sans repère. Des enfants sans repère, ça donne du n'importe quoi. Mais tout ça, nous allons voir la cause. Confusion dans, ben, on l'a vu, dans les universités, c'est du n'importe quoi. Dans les mariages, il y a plein de mariages qui s'entre-déchirent. Les gens, parce que le principe de la confusion, c'est quand les gens n'arrivent plus, quand il y a de la confusion, les gens n'arrivent plus à se parler. Quand on n'arrive plus à se parler et à se comprendre, eh bien, on s'énerve. Et au lieu de se parler, c'est des invectives. Puis ça amène la violence. Le dernier séminaire, j'ai parlé de la violence qui n'avait pas arrêté de croître tout au long des temps et qui, maintenant, arrive à son paroxysme. Donc la violence, elle est là, partout. Jésus, il a dit, quand vous entendrez des guerres et des bruits de guerre, mais on est aussi dans les guerres et les bruits de guerre, comme peut-être on ne l'a jamais été. Je n'ai pas eu les résultats de ce qui s'était passé hier en Israël. Vous les avez eus ou pas? Il y a eu des obus qui ont été envoyés depuis l'Iran. On est tout le temps à la limite de... Hein? Je crois qu'il y a eu le dôme de fer qui a tout arrêté. Je crois. Mais depuis l'Iran, il est parti, je ne sais pas combien d'obus, etc. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans les guerres et les bruits de guerre, et quand ça touche Israël, on sait qu'on est dans quel temps on est. D'accord? Dans les médias mentent, disent n'importe quoi, tout leur contraire. On a un président qui a tout dit, lui, tout et son contraire. Durant le confinement, c'est impressionnant. Mais les gens étaient comme hypnotisés, ils ne voyaient même pas qu'ils disaient tout et son contraire. C'était impressionnant. Ils n'arrivaient même plus à discerner où était la vérité. Ça fait partie de la confusion. D'accord ? Maintenant, au lieu de trouver que les enfants sont un miracle de Dieu, allez, hop, l'avortement, on promeut l'avortement, jusqu'à constitutionnaliser l'avortement. On est le premier pays au monde à l'avoir fait. C'est effrayant. Ça veut dire que Père, tu peux nous donner des enfants, on n'en veut pas, on les jette à la poubelle et au feu. 240 000 par an en France. C'est impressionnant. Probablement plus de 20 millions depuis que l'avortement a été constitué. Je fais beaucoup de messages là-dessus. Ce n'est pas mon message de ce soir. Mais tout ça, ça fait partie de l'inversion de ce qui est le bien et le mal. Là, il y a l'euthanasie qui n'est pas passée parce qu'il y a eu tous les votes les uns derrière les autres. Mais il va passer. Ils sont tous d'accord. Vous savez que j'ai regardé la cérémonie qui avait lieu
quand ils ont constitutionnalisé l'avortement. C'est la première fois dans les 20 dernières années que j'ai voyé une telle unanimité entre tous les partis pour voter pour l'avortement, pour la constitutionnaliser. Et ils étaient tous en train de s'applaudir les uns les autres. C'est la première fois qu'ils n'invectivaient pas. À ça pour tuer, ils sont tous d'accord. Alors l'euthanasie, ça va passer aussi. Et puis vous avez vu qu'ils ont fait, ils ont préparé une loi dans laquelle toutes les restrictions ont littéralement été volatilisées. Ça veut dire que ça va être euthanasie de base. C'est impressionnant. Bon, je donne quelques cas comme ça. Mais je voudrais revenir, par exemple, pour la cérémonie des Jeux Olympiques. On en a beaucoup parlé. Mais quelle confusion! Mais confusion organisée exprès! On mélange le beau, donc ils savent ce qu'est le beau. On mélangeait le beau, il y avait des belles choses. Et puis au milieu, il y avait plein de cérémonies sataniques, plus ou moins visibles, plus ou moins voyantes. Tout le monde a retenu l'histoire de la scène. Mais il y a plein de petits passages avec des trucs complètement sataniques et des clins d'œil à tous les Illuminati de la Terre. Alors donc, on est dans un temps de confusion extrême et c'est prophétisé dans la Bible. Sous un terme, Babel, ou la Grande Babylone, ça veut dire confusion, Babel. La Grande Babylone, ça veut dire la grande confusion. Et c'est bien ce qui est en train, dans quoi nous vivons. Donc nous savons dans quel temps nous vivons. Mais je vais vous parler aujourd'hui de Babel et jeudi de Babylone. Ok ? Je lis Genèse 11, 9. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Donc nous devons comprendre que la confusion totale dans les lois, dans le bien, le mal, les trucs, etc. C'est un jugement de Dieu qui va amener de très grandes détresses, des guerres, des conflits, des guerres civiles, des conflits à n'en plus finir, des trucs, etc. Il faut s'attendre à ça. Donc il faut s'attendre à ça. Ça nous est annoncé. Nous ne devons pas avoir peur puisque tout est sous le contrôle du Seigneur. Et que ses enfants, il va les tenir dans sa main. Il va les protéger. Ça ne veut pas dire que ça va nous épargner tous les coups, bien entendu, mais il va nous protéger, il va nous envoyer, il va nous lever, il veut lever des armées et il va en profiter, si j'ose dire, parce qu'il faut souvent une très grande détresse et une très grande souffrance pour que les gens se tournent enfin vers lui. C'est vrai à titre individuel, c'est vrai au titre collectif, c'est vrai au titre des nations. Et qu'est-ce que le Seigneur nous a ordonné? Il nous a ordonné de faire des nations des disciples. Eh bien, on n'a pas fait beaucoup de nations disciples pour le moment. Mais ça va arriver, parce que quand les nations vont être dans la détresse la plus totale, c'est là qu'ils vont tourner leur regard vers le Seigneur. Et c'est d'ailleurs ce qui est aussi, parce que Israël est toujours le peuple témoin de Dieu, c'est le peuple témoin. Et donc, c'est exactement ce qui est prophétisé pour Israël. Hein? Que dans Zacharie, dans Osée, qu'il va y avoir des choses très très dures, mais qui amèneront enfin Israël à ouvrir les yeux. Enfin, l'Israël qui n'est pas encore au Seigneur, bien sûr, mais qui va enfin ouvrir les yeux, et Zacharie dit qu'ils reconnaîtront enfin celui qu'ils ont percé. Et ils comprendront le pourquoi de toute leur souffrance en plus. D'accord? Mais pour le moment, c'est de la souffrance tout court et ils ne comprennent pas la cause. Mais pourquoi ils nous haïssent tellement? Pourquoi ils nous haïssent tellement? Bon, ça, c'est encore tout un autre sujet que j'ai souvent fait. Alors, donc, nous retenons ceci parce que c'est toujours très important de retenir que l'essentiel du message tourne dans le fait que la confusion est un jugement de Dieu. C'est lui qui confond les langages. Confondre les langages, ça veut dire que les gens ne se comprennent plus. Quand on ne se comprend plus, on ne peut rien faire ensemble.
peux plus communiquer, il n'y a plus rien qui fonctionne. Prenez une entreprise, puis personne ne peut communiquer, l'entreprise va s'écrouler. Ben, c'est pareil pour les nations. C'est pareil pour le monde. D'accord ? Et quand on ne se comprend plus, il y a de l'hostilité, il y a de l'énervement, il y a... Et puis, la violence s'accroît, s'accroît, s'accroît. Jusqu'au paroxysme. C'est ça, la grande Babylone. Mais on va parler de Babel, parce que nous comprenions les causes. D'abord, Babel a été construit par Nimrod. En tout cas, ça lui est attribué. Nimrod, il faut bien comprendre que Nimrod est le descendant, le petit-fils d'un des fils de Noé, c'est-à-dire de Cham. Et vous vous souvenez que Noé a eu trois fils, Cham, Sem et Japhet. D'accord ? Et nous nous souvenons aussi, c'est important parce que tout ce qui a été dit dans ces trucs-là, nous en avons encore les effets aujourd'hui. D'accord ? Sem, ça a donné les sémites, donc ça me fait rire quand on parle d'antisémitisme parce que ça englobe en fait toutes les Arabes et c'est les Arabes qui sont les plus judéophobes. Mais ce sont des sémites, des descendants de Sem, d'accord ? Et ils sont allés peupler tout le Moyen-Orient, entre autres, mais un peu partout aussi. Et Japhet, ça représente tout l'Occident. D'ailleurs, Japhet, le nom a donné un rapport avec la Grèce, donc ça a donné tout l'Occident. Mais déjà, tu avais dit que Japhet devait se mettre sous les tentes de Sem. Et il y a des pays occidentaux qui se sont mis sous les tentes d'Israël, mais il y en a d'autres qui se sont mis sur les tentes des Arabes pour le pétrole. Même la France, elle a trahi Israël en 67 pour le pétrole. D'accord ? J'y étais, hein. Donc j'ai vu ça de près. D'accord ? J'étais même pas une jeunette, hein. J'ai fait mes 68, j'avais 27 ans. Puis je l'ai bien fait, hein. Bon, ça m'est passé, hein, l'esprit de mes 68. Je suis passé de l'autre côté, maintenant je le dénonce. Alléluia. Alors, Nimrod, donc, lui, est un descendant de Cham, non pas par Canaan qui a été maudit par Dieu, parce que nos actes ont des répercussions sur nos enfants. Et c'est un des enfants qui a reçu la malédiction d'être l'esclave des esclaves de ses frères. Mais Nimrod est un descendant de Cush, donc d'un autre fils de Cham. Il n'est pas sous la malédiction, mais ça va être le premier roi qui arrive après le déluge. Premier roi d'une nation. C'est Nimrod. Et il construit Babel. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que pourquoi construire une tour qui gratte le ciel, un gratte-ciel ? Car c'était l'ambition. Bon, en faisant une tour qui monte là-bas, jusqu'au ciel. Bon. Pourquoi faire ça ? Est-ce que par hasard, il manquait de place ? Bon, moi, je connais bien Manhattan, hein, j'y suis allé plusieurs fois. Chut ! Ouais, la défense, c'est pas mal aussi, j'y habitais aussi. Bon, on met, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, alors on met des tours. Mais pourquoi se faire une tour alors que c'est à peu près 60 ans après le déluge que ça se passe, ça ? Donc, ils n'étaient pas quand même très, très nombreux sur Terre. Donc, pourquoi se construire une tour ? Et ça, la cause, c'est toujours les mêmes causes aujourd'hui. Toujours les mêmes causes. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé un jugement de confusion totale. Alors, on va déjà lire ce qu'ils disent. Il y a beaucoup de messages possibles autour des... J'en ai entendu de merveilleux sur les briques, sur les pierres, sur le ciment, sur le... Il y a plein de messages magnifiques sur ce passage. Mais parce que ça se prolonge encore aujourd'hui, ce message, les effets spirituels de ce message. Genèse, et on le retrouve, donc, ce qui a été, je rappelle ce qui est dit en Ecclésiaste 3:15, ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Donc, en fait, on trouve tout ce qui se passe dans la Bible. Hein. Il suffit d'ouvrir la parole et de comprendre ce que Dieu a dit. Et en fait, ce que nous allons vivre, ce que nous vivons, Israël l'a déjà vécu. Si on regarde de près l'histoire d'Israël, Israël, comme peuple témoin, a montré qui était Dieu par la manière dont il
ou bien il bénissait Israël, ou au contraire, le punissait, parce que Dieu punit, bien sûr, pour lui montrer, pour qu'il ait une sainte crainte de Dieu. Ouais, aujourd'hui, ça va arriver aux églises aussi, parce que la crainte de Dieu a disparu des églises, et que Dieu va ramener des choses qui vont secouer, pour ramener une sainte crainte de Dieu. Amen. Okay. Alors, lisons ce qui est dit en Genèse 11, 3. Il, qui est il. Donc, ce sont des descendants de Cham qui sont partis en Assyrie et qui choisissent, sous la coupe de Nimrod, qui est un dictateur. Souvent dans la Bible, on voit ça d'une manière un petit peu truc, c'est puissant chasseur devant l'Éternel, vaillant chasseur devant l'Éternel. Ça rappelle Ésaü. Hein. Donc, il avait peut-être très, très puissant aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, c'était pas top. Alors, il dit encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. » Attendez. Ils n'avaient pas encore des grues, hein. À mon avis, ils n'avaient pas encore les grues, hein, pour monter. Bon. « Et faisons-nous un nom. » Alors, je vais m'arrêter un petit peu dessus, parce que ça, c'est quelque chose qui restait très mystérieux pour moi. J'ai commencé à comprendre après. « Afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la face de la terre. » Donc, ce qu'ils veulent, c'est se réunir. Rappelons-nous que Caïn aussi, la première chose qu'il a fait, une fois qu'il a été, après avoir tué Abel, il a construit une ville. Attendez, ils étaient quatre. Donc, et avec, il a mis le nom de son fils pour se perpétuer, pour perpétuer le nom de la famille. Non mais, bon, c'est impressionnant. Pourquoi se bâtir une ville alors qu'on est quatre sur terre, ou six, ou huit, enfin peu importe, ça ne change rien. Et qu'on a la terre entière pour se promener. Alors, ben, c'est le même esprit en réalité. Faisons-nous un nom. Pourquoi se faire un nom? Ils n'avaient pas de nom? Ben si, ils avaient des noms. Puis ils n'avaient même pas besoin de prénom parce que ils n'étaient pas suffisamment nombreux pour qu'il y ait besoin de prénom, de nom et puis peut-être de surnom. Bon. Pourquoi se faire un nom? Quel est le problème de se faire un nom? Donc, ils ont un méga problème d'identité. Quand on n'a pas d'identité, on essaie de se faire un nom ou un titre. C'est quelque chose qu'on rencontre encore toujours, aujourd'hui, partout le temps. Les gens ont besoin de sentir qu'ils existent. Pour exister, d'ailleurs, on en a parlé cet après-midi, on existe quand on a un nom. Ils ont un nom, mais ça ne leur suffit pas. Ils veulent se faire un nom. Un nom qui compte pour se sentir exister. Il y a quelques mois, c'était d'ailleurs presque une révélation pour moi, je me suis rendu compte que quand on voit toutes les généalogies dans la Bible, fils d'eux, quelquefois ça remonte assez loin. Mais quand on fait la généalogie de Jésus en Luc 3, il y a 77 noms et ça se termine par fils d'Adam, fils de Dieu. Et ça arrive jusqu'à Jésus, 77 noms. Et puis, je me suis rendu compte que notre généalogie à nous s'arrêtait à Adam. On est la descendance d'Adam. Pour devenir fils de Dieu, il faut franchir ce pont par la foi, pour pouvoir devenir, à ceux qui ont cru en Jésus, il a été donné de devenir fils de Dieu. À partir de là, on n'a plus besoin d'une autre identité, peu importe notre titre terrestre, c'est la plus belle identité qui soit, c'est fils de Dieu. Hein? Ou fille de Dieu. Ou enfant de Dieu. Amen. Et on a un méga papa, hein, comme identité. Et en plus, on a une maman, la Jérusalem céleste. Attendez, on est frères et sœurs parce qu'on a le même papa et qu'on a la même maman. On est des vrais frères et sœurs, de sang, et c'est le sang de l'agneau. Et il y en a qui ont des problèmes d'identité, là? Ça se soigne, hein? Alléluia. Moi, je ris parce que quelquefois, les gens,
Ils étaient tellement contents de m'avoir dans leur église. Alors ils disaient, oui, Michel d'Astier de la Vigerie, qui est né comtesse, qui est ceci, qui s'est foncé un prince, qui a un duc. Puis en général, ça, quelquefois, ça durait un quart d'heure, 20 minutes. Puis à la fin, je disais, ben, moi, je me présente, Michel, fille de Dieu. J'avais le plus beau des titres du monde. Et je le partage très volontiers. Dieu a un grand, 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 grand cœur pour avoir beaucoup, 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 beaucoup d'enfants. Autant qu'il peut en avoir, il les prend. Amen. Alors pourquoi ils ont besoin de se faire un an? Parce qu'ils sont coupés de Dieu. Ils sont coupés de Dieu. Noé a été sauvé, mais Dieu a toujours promis de nous sauver, nous et notre famille. C'est une constante dans la Bible. Sauve nous et notre famille. Merveilleux. Mais quelquefois, la famille n'est pas blanc-bleu. Hein. On peut se rappeler, entre autres, le neveu d'Abraham, Lot. La famille de Lot, elle a été sauvée. Mais franchement, Dieu aurait dû la laisser dans Sodome. Hein, quand on voit la suite, ils ont été les pires ennemis d'Israël pendant des millénaires. Donc, on se dit, mais bon, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. On ne comprend pas toujours. Mais qu'est-ce que dire? Pourquoi Abraham, il t'a emmené à Lot? Tu lui as jamais dit de l'emmener, celui-là. Et en plus, tu le sauves, et en plus, tu sauves ses filles. Waouh! Bon, enfin, bref. Il y a des descendants, des Moabs, des trucs, et puis on voit d'ailleurs Ruth, la Moabite, qui est une ascendante de Jésus. Tiens! Alléluia! De Jésus, homme, bien sûr. Alors, donc, ils ont besoin de se faire un nom. Alors, il y a beaucoup de moyens de se faire un nom dans le monde. Ça fait partie de la confusion. On veut absolument se faire un nom parce que ça nous rassure, ça nous donne l'impression d'exister. On se fait un nom parce qu'on fait partie du Rotary Club. On se fait un nom parce qu'on fait partie du gouvernement. On se fait un nom parce qu'on est cadre, chef, machin, dans telle entreprise. Par exemple, moi j'ai voyagé plusieurs fois au Japon et il y a une chose qui existait au Japon qui est tout le système. Vous n'existez pas si vous n'appartenez pas à une entreprise connue. Et les enfants postulent pour être dans une entreprise dès leur plus jeune âge. Et quand les enfants ne sont pas admis dans une entreprise, c'était à l'époque, hein, quand je m'occupais de ça, il y a une quarantaine d'années, c'était le plus haut taux de suicide d'enfants. Parce que s'ils n'étaient pas acceptés dès l'âge de 10 ans, à 10 ans, hein, ils se suicidaient. Leur vie n'existait même pas, ils n'existeraient jamais. C'est impressionnant. Bon. Donc, appartenir à quelque chose. Pour beaucoup de chrétiens qui ne sont peut-être pas tout à fait là, ils disent appartenir à Christ, mais en fait, ils appartiennent à une église. Oh, mais je suis dans l'église du pasteur untel, mais je suis dans l'église du pasteur untel, je suis dans l'église de ceci. Oh, celle-là est très cool. Oh là là, t'es quelqu'un. Toi, t'es dans cette église-là. Waouh! T'es quelqu'un. C'est comme ça que les gens se construisent une identité. De briques, de broc, et puis on peut être le président du club de pêche de Pétaouchnok, hein, peu importe, mais c'est déjà. On est président de quelque chose, d'accord? Ou on peut être l'adjoint du maire de telle petite bourgade, mais bon, on est adjoint au maire et notre fonction, notre nom principal, c'est on est adjoint au maire. Waouh! Non, je vais pas faire, mais je veux dire, faisons-nous un nom. Déjà, nous voyons qu'il y a quelque chose qui alors, je manque qu'on puisse dire qui cale pas. Et d'abord, ils veulent gratter le ciel. Pourquoi, au fait, voulait-il aussi une tour? La mémoire du déluge était encore là. Mais oui, c'est à une soixantaine d'années après le déluge que je crois que ça a commencé à se bâtir. On ne sait pas très bien combien d'années ça a fait. Mais enfin, c'est dans ces eaux-là, c'est des quelques décennies plus tard. Donc la mémoire est là, la mémoire de ce jugement de Dieu qui a tout noyé. Parce qu'il a dit lui-même qu'il se repentit d'avoir fait l'homme sur terre tellement il était mauvais, méchant et cruel et tout ce qu'on peut imaginer. On est arrivé au même stade. On ne sait pas très bien quel était le stade d'avant, mais pour que Dieu regrette d'avoir fait l'homme sur terre, ça devait être vraiment horrible. Et donc, la mémoire du déluge était encore là. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que cela nous apprend
ce que l'homme fait de la même façon aujourd'hui. Quand Dieu donne un jugement, la réaction normale, ça devrait être oh, « Ok, maintenant on a la crainte de Dieu, on ne va pas recommencer à pécher, on ne va pas recommencer. » Mais l'homme est rebelle. C'est un rebelle par nature. Et donc, ce qu'il veut, c'est toujours contrer les jugements de Dieu. Il voulait monter jusqu'au ciel. Qu'est-ce qu'il voulait aussi monter, être plus grand que Dieu au ciel? C'est Lucifer. Et il a chuté. D'accord? Il est devenu l'adversaire de Dieu, Satan. D'accord? Donc, on est dans le même esprit. Non, mais on va monter, on va vers une tour qui gratte le ciel, et comme ça, même si Dieu recommence un déluge, eh bien, nous serons épargnés parce que nous serons bâtis une tour très, très, très haute, et les eaux ne nous atteindront pas. Je ne sais pas si vous voyez qu'après, moi, ça m'a beaucoup frappé depuis 15, 20 ans, 30 ans, plus. Chaque fois qu'il y a un cataclysme sur Terre, mais Dieu est en contrôle de tout, il n'y a pas un moineau qui tombe sans qu'il l'ait voulu. Chaque fois qu'il y a un cataclysme, les hommes, au lieu de se repentir et dire « Seigneur, ben, qu'avons-nous fait mal ?» et puis tu nous envoies des cataclysmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout de suite chercher le moyen d'empêcher que ça recommence. Wow, il y a eu une immense inondation quelque part, on va construire une digue plus haute. Il y a eu Fukushima, bon, on va mettre des signaux d'alerte, Il y a eu des tours qui tombent, allez, hop, on va faire des tours encore plus solides, voilà le truc. Il y a des tremblements de terre qui rasent complètement des pays, paf, allez, on va mettre tout ce qu'il faut, des trucs antisismiques, machin. Et l'homme n'arrête pas d'essayer d'inventer des choses pour contrer ce qui sont des jugements de Dieu, parce que rien n'arrive par hasard. Donc la tour de Babel est le symbole de cette rébellion de l'homme contre Dieu, qui, au lieu de dire « Dieu est en train de nous parler », Dieu a déclenché des cataclysmes pour qu'on se repente, qu'on ne recommence pas. Eh bien, il va tout le temps essayer de trouver le moyen de contourner les jugements de Dieu, au lieu de demander, au lieu de se repentir, au lieu de revenir au Seigneur de tout leur cœur, comme nous y sommes exhortés tout le long de la parole. Et si vous regardez autour de vous l'actualité, vous pouvez prendre les 20 derniers cataclysmes, les plus importants sur Terre que vous connaissiez, quels qu'ils soient, vous verrez que derrière, ce que les hommes font, c'est d'essayer de trouver les moyens d'endiguer le prochain cataclysme, qu'il ne se recommence pas, qu'il ne se reproduise pas. Et manque de peau, c'est... Plus le péché est fort, plus les cataclysmes arrivent. Et ça nous est annoncé en Luc 21, que les gens rendront l'âme de terreur face aux puissances des cieux qui seront déclenchées et face à tout ce qui va arriver sur Terre. Donc, comprenons bien que cette histoire du tour de Babel, elle est hyper actuelle. Et donc, ce que Dieu a fait, il le refera. Et il est en train de le refaire sous nos yeux. Il envoie la confusion. Il envoie la confusion. Même dans les églises, il commence à y avoir de la confusion. Et on est là pour être frères et sœurs et qu'il n'y ait pas de confusion, qu'on parle le même langage. Parce que nous voyons ce que Dieu a divisé, c'est leur langage. Et à partir de cela, ils se sont éparpillés sur toute la surface de la terre. Je vous ferai remarquer, il est mis sur toute la terre. Mais là, il n'y avait que les descendants de Cham qui étaient avec Nimrod. Mais ça a atteint un peu tout le monde. Mais quand même, ça aussi atteint chacun maintenant dans chaque nation. D'ailleurs, ce qui caractérise une nation réelle qui a toujours existé, c'est qu'elle a sa propre langue, même si ils ont adopté des langues de plus en plus d'ailleurs, parce qu'ils veulent réunifier le langage dans la grande Babylone. Donc tout le monde se met à parler anglais. Si vous parlez plus anglais aujourd'hui, essayez de lire une petite notice là, vous voyez. Vous achetez un truc. Alors c'est en toutes les langues quelquefois.
Mais là, quelquefois, c'est complètement des termes anglais. Sur Internet, c'est pareil, il n'y a que des termes anglais souvent. Donc, si vous ne connaissez pas l'anglais, vous commencez à être vraiment malheureux, vous êtes commencé à être mal. Donc, on sent qu'ils vont uniformiser, donner une langue unique sur Terre, avec lesquelles les gens seront censés tous se comprendre. Ça ne marchera pas, d'accord ? Ça ne marchera pas parce qu'ils vont recommencer la tour de Babel. Ils avaient tous une seule langue. Eh bien, Dieu a confondu leur langue. Et je pourrais en parler comme méthode de combat spirituel quand on se trouve devant des coalitions type la franc-maçonnerie, type toutes les coalitions, les syndicats, les machins. Les gens, ils font partie d'un syndicat, ils se réunissent. Ils ont besoin d'être unis pour se sentir forts. Et nous allons voir ce que dit Dieu lui-même. Et c'est très important aussi. Alors, on peut faire partie d'un cercle, d'un club, d'une religion, d'une église, d'une entreprise, d'un parti, etc. Et puis, maximum de titres qu'on va chercher, etc. Mais on va lire ce que Dieu dit. L'Éternel descendit pour voir la ville. Moi, ça me fait toujours sourire quand je lis ça, parce que comme si le Seigneur avait besoin de descendre pour voir ce que les hommes font. Non, il le sait. Que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Et Dieu dit, maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc Dieu lui-même reconnaît que dans l'unité, il y a une très grande force. Et dans la Bible, vous avez deux unités, deux types d'unités, mais que deux. Il y a l'unité contre Dieu, qui se manifeste par exemple par l'unité contre Israël. Ah, ils sont tous d'accord contre Israël. À l'ONU, dans les pays arabes, ils sont tous d'accord contre Israël. Ils trouvent un ennemi commun ensemble. Et donc, ça les unit. Ça les unit. Tous les pays arabes, normalement, ils se bouffent le nez entre eux, entre les sunnites, les chiites, les machins, et c'est d'une très grande violence. Mais dès qu'il s'agit d'Israël, ils sont tous unis. Nous, on vient de vivre un épisode un petit peu étrange où toute la gauche s'est unie avec l'aide de la Macronie pour former un truc unique, alors qu'ils se bouffent tous le nez entre eux. Mais les gens, et ils ont, ça leur a donné une force réelle. Donc il y a une force dans l'unité, même contre Dieu. D'accord ? C'est pour ça qu'il se crée tout le temps des partis, des syndicats, des trucs, des machins. L'homme a un instinct grégaire et il veut tout le temps être dans des trucs où il y a une grosse unité parce que ça donne de la force. Dieu le reconnaît lui-même. Rien ne pourrait les empêcher d'amener à bien les projets qu'ils ont faits. Rien ne pourrait les empêcher. Dieu le reconnaît. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il décide, mais il a fait plein d'autres choses. Quand on relit la Bible, il a fait chaque fois qu'il y avait des coalitions, par exemple contre Israël, contre Josaphat, contre Jonathan, le fils de Saul, tout le temps contre Gédéon. Chaque fois qu'il y avait des unités contre son peuple, eh bien Dieu envoyait la confusion, était les ennemis se bouffaient le nez entre eux. Et puis moi, celui qui me régale personnellement, c'est en 2 Chroniques 20, devant Josaphat, quand il est dit « les deux derniers cédèrent à s'exterminer ». Non mais attendez, ça me fait rire, parce qu'après, le peuple de Dieu n'avait eu qu'à aller ramasser les richesses, ça avait flanqué une telle trouille partout qu'ils ont été rompés pendant 40 ans. Bon, moi je me régale hein, quand je lis la Bible, parce que je vois la manière dont Dieu fait. Et Dieu n'est jamais à court de moyens, mais une de ses spécialités, si j'ose dire, face au besoin d'unité des hommes contre lui, eh ben, c'est de flanquer leur unité en l'air. Donc à Babel, ça va arriver de notre temps de la même façon. Donc il a complètement fait que tout d'un coup, ils se comprenaient plus entre eux, ils avaient des langues différentes, ils ne parlent plus le même langage, donc ils ne pouvaient plus rien bâtir ensemble. Ok ? Et donc, rappelons-nous que tout ce que Dieu a fait va se reproduire et est en train de se reproduire et qu'on vit des temps similaires et que le jugement de Dieu c'est de mettre la confusion
dans les rangs de l'ennemi. Amen. Parce que c'est aussi un moyen de combat que Dieu nous montre pour nous quand on est face à des coalitions. Ok ? Nous avons plein d'exemples. Et Dieu ajoute, allons, descendant, et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersera loin de là, sur la face de toute la terre, leur donna à tous un langage différent, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Donc on voit ce qui s'est produit là. Et ce qui est en train de se produire de nos jours, Dieu envoie un esprit de confusion géant partout. Et ça va se terminer de la même façon. Il y aura une déflagration à un moment donné. Et toutes ces unités vont tomber. Et on en verra dans la grande Babylone qui va tomber. En fait, c'est confusion généralisée sur toute la terre. La confusion, elle est partout. Aujourd'hui, elle est partout. À part quelques pays qui s'en sortent encore, mais elle est partout. Alors, je vais vous lire le récit de Flavius Joseph. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de lui. C'est un historien du 1er siècle et qui est, dont les écrits comptent, parce que c'est un témoignage puissant de choses qu'il a écrites au 1er siècle. Là. Il parle de Némrod. Celui qui les exalta ainsi jusqu'à outrager et mépriser Dieu fut Némrod, petit-fils de Cham, fils de Noé, homme audacieux, d'une grande vigueur physique. Il leur persuade d'attribuer la cause de leur bonheur non pas à Dieu, mais à leur seule valeur. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? D'accord ? Oui, vas-y, fais tel exercice, tu seras puissant, tu seras toujours en paix, on va faire du New Age, on va faire du... Bon, ok. Non pas à Dieu, mais à leur seule valeur, et peu à peu transforme l'état de choses en tyrannie. Donc c'est le premier tyran qu'on voit d'après le déluge. Okay. Il estimait que le seul moyen de détacher les hommes de la crainte de Dieu, c'était qu'ils s'en remissent toujours à sa propre puissance. Ça ne vous rappelle pas des hommes modernes ? Des Hitler ? Des Macron ? Non, j'ai dit, c'est non, tout à fait par mégarde. Mais partout, il y a eu des Staline, des trucs, des machins, tous les tyrans de la terre, ils agissent de la même façon. Hein ? Ils mettent, soi-disant pour le bien du peuple, ils mettent tout le monde sous coupe, puis ils tyrannisent, puis, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a toujours les mêmes systèmes derrière. Mais il y a toujours à la tête un homme qui a une espèce de charisme, de puissance que tout le monde... qui attire tout le monde, et il nous est annoncé que l'antéchrist, ça va être ça. En Apocalypse, il séduisit la terre entière. L'Apocalypse 13. Il va séduire la terre entière. Vous savez qu'il est certainement né et qu'il est sur le point d'apparaître. Parce qu'on a tous les signes de ça. On a tous les signes. Ça peut être, c'est un problème certainement d'années. Peut-être de mois. Et l'Église va le voir arriver. Il faudra qu'elle le reconnaisse. D'accord ? Et qu'elle refuse sa marque. Ce sera peut-être un gentil petit QR code transparent sur votre front ou sur votre main. Ça commence déjà à être mis en route par... D'accord ? Alors, on lit des trucs qui sont anciens, puis on se rend compte que c'est comme si on décrivait nos temps, quelquefois. D'ailleurs, quand on lit la Bible, on a l'impression, quelquefois, qu'ils sont en train de décrire justement ce qui se passe... le jour même où qu'il s'est passé la veille. C'est impressionnant. Il promet de les défendre contre une seconde punition de Dieu. Donc, vous allez voir, maintenant, c'est terminé. Maintenant, vous vous fiez à moi et vous verrez qu'il ne vous arrivera rien du tout. Vous mettez vos masques, vous serez protégés de tous les virus. Vous faites piquer et vous ne contaminerez plus personne. Il n'y a personne qui rit, qui monte sur sa chaise. Bon, d'accord. Mais on a trompé les gens d'une manière incroyable. Mensonge, mensonge, mensonge. Et qu'il y a pu y avoir des milliers maintenant de preuves scientifiques, d'ouvrages scientifiques,
pour dire le contraire, les gens, ben, ils ont été comme hypnotisés là-dedans. Ils ne peuvent pas imaginer qu'on les a complètement manipulés. Ils ne peuvent pas l'imaginer. Pourtant, c'était annoncé depuis 40 ans par Attali qu'avec une pandémie, on pouvait mettre toute la Terre sous coupe. Une fausse pandémie. Parce que ce n'était pas une pandémie. Pandémie, c'est 20, 30, je ne sais plus combien quel chiffre, au minimum 20 ou 30% des gens qui meurent sur toute la Terre, et ça touche toute la Terre. On est bien loin. Tout, même les mots sont tordus. Même le sens des mots est complètement tordu aujourd'hui. Je continue avec Flavius Joseph parce que j'ai trouvé son passage, son truc qui était fait juste après, enfin, juste après Jésus, hein. Bon, ok. Il est très très connu, hein. C'est vraiment une référence extrêmement connue, ses écrits. Il promet de les défendre contre une seconde punition de Dieu qui veut inonder la terre. Il construira une tour assez haute pour que les eaux ne puissent pas s'élever jusqu'à elle, et il vengera même la mort de leur père. Le peuple était tout disposé à suivre les avis de Nemrod, considérant l'obéissance à Dieu comme une servitude. Ils se mirent à édifier la tour avec une ardeur infatigable, sans se ralentir dans leur travail. Elle s'éleva plus vite qu'on eût supposé. Alors je suppose que Flavius, qui était un historien, avait encore des écrits qui ont peut-être disparu aujourd'hui. Mais elle était formidablement massive, si formidablement massif que la hauteur en semblait amoindrie. On la construisit en briques cuites reliées ensemble par du bitume. Bon, là, il y a plein de messages là-dessus. Pour les empêcher de s'écrouler, voyant leur faible, d'ailleurs, cet après-midi, j'ai bien aimé ce que disait. Non, c'est ce matin. Ce matin, non, c'était quand? Philippe, vous avez remarqué que dans les constructions de pierres, temples, frotter les pierres l'une sur l'autre jusqu'à ce qu'elles s'emboîtent parfaitement. Tandis que les briques, il faut toujours les mettre avec du ciment ou du bitume pour le relier. D'accord? Et on sait ce que ça peut donner. Bon. On la construisait en briques cuites, reliées ensemble par du bitume, pour les empêcher de s'écrouler. Voyant leur folle entreprise, Dieu ne crut pas devoir les exterminer complètement. Il avait dit qu'il ne referait jamais un déluge. D'accord ? Puisque même la destruction des premiers hommes n'avait pu assagir leurs descendants. Mais il suscita la discorde parmi eux en faisant parler des langues différentes, de sorte que grâce à cette variété d'idiomes, ils ne pouvaient plus se comprendre les uns les autres. L'endroit où ils bâtirent la tour s'appelle maintenant Babylone, par suite de la confusion introduite dans un langage primitivement intelligible à tous. Et les Hébreux rendent le mot confusion par le mot Babel. Voilà. Alors, donc, la base de tout ça, c'est l'orgueil et la rébellion de l'homme qui veut toujours lutter contre Dieu, comme Satan, en fin de compte. Et dans la résidence même de Dieu, c'est-à-dire qu'il voulait s'élever au niveau de Dieu pour le combattre au niveau même où Dieu était. C'est-à-dire, il pensait toucher le ciel, donc toucher la demeure de Dieu. Bon. Alors donc aujourd'hui, l'homme fait pareil. Il veut toujours lutter contre les jugements de Dieu, et au lieu de se remettre en question, il préfère penser que grâce à sa science, à sa sagesse, à ses compétences, à ses capacités, il va arriver à empêcher les prochains cataclysmes, les prochains trucs. Et puis, c'est de pire en pire. Il y en a de plus en plus. Vous savez, donc j'ai quelques années de plus que un certain nombre d'entre vous, surtout les tout jeunes là, que je vois là-bas. Je me rappelle encore, par exemple, de ce qui s'était passé. Peut-être que certains d'entre vous qui sont une génération un petit peu plus proche de la mienne se souviennent de la catastrophe de Vaison-la-Romaine. On en a parlé pendant des mois. C'était un cataclysme qu'on n'avait jamais connu avant. À ce niveau-là, il y avait eu une cinquantaine de morts. Mais maintenant... Mais des inondations, c'est tout le temps. Tout le temps. Il y a tout le temps des inondations avec des dégâts
aussi considérable. Le nombre de tremblements de terre s'accroît à une vitesse vertigineuse. Et ne dites pas qu'on ne les connaissait pas avant, c'est pas vrai, parce qu'ils sont presque tous consignés dans je parle des tremblements de terre graves, ils sont tous consignés. On a encore l'histoire de Pompéi, moi je suis allé à Pompéi, et on continue à faire les fouilles. Hein, et on retrouve encore aujourd'hui, mais c'est très bien consigné parce que les tremblements de terre font beaucoup de destruction et on retrouve toujours les traces dans les historiques des peuples, d'accord ? Des peuples ou quelquefois des continents entiers. Donc il y a une accélération et donc plus Dieu accélère, plus l'homme rivalise l'ingéniosité pour empêcher les prochains cataclysmes. Ce que je crois, c'est ce que dit la Bible. Et la Bible dit, par exemple, en Isaïe 24, la terre tremble, la terre s'écroule parce que le péché de l'homme pèse sur elle, etc. C'est encore à venir. J'ai parlé de Luc 21, je pourrais parler de l'Apocalypse, je peux parler de tas d'autres textes qui disent, qui convergent par la même chose. Les derniers temps vont être terribles. Et nous y arrivons parce que le péché de l'homme est devenu tellement énorme, mais énorme. Dieu avait dit Sodome. Le péché de Sodome est énorme. Eh bien, on a dépassé Sodome. On a dépassé Sodome. David Wilkerson le disait déjà il y a 30 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et il y a 30 ans, je veux dire, les hommes, ils étaient tellement gentils par rapport à maintenant. Je parle des hommes, des femmes, je parle d'une manière générale. Hein. Je ne parle pas de vous. Hein. Ok. Alors, on peut se poser quelquefois des questions. Comment on réagit si on nous dit « Faites très attention, cette nuit, il y a des très violents orages qui vont arriver dans votre coin. » Vous faites quoi ? Alors, il y a plusieurs manières de parler. Il y a la chrétienne, il y a la semi-chrétienne, il y a la quart chrétienne, il y a la 100% païenne, il y a la trois quarts païenne. Il y a beaucoup, beaucoup de solutions. Il y en a qui ont une voiture et puis « Yon !» À New York, ils prennent leur avion, c'est plus simple. On vous dit, il y a un énorme orage qui arrive, qu'est-ce que vous faites ? Vous fermez tout à double tour, vous mettez bouclés les volets, bon, c'est pas idiot. Un peu de sagesse humaine, de temps en temps, un peu de bon sens, c'est pas complètement idiot. Maintenant, vous avez tout fermé à double tour, tous vos follets, tous vos trucs, et paf, c'est votre toit qui a arraché. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Ben, selon votre degré de foi, vous allez faire des choses très différentes. Tout simplement. Vous allez ou bien vous barricader, ou bien vous allez vous réfugier chez la belle-mère parce que ça m'est plus solide. Et puis que surtout, elle n'est pas en contrebas, mais en hauteur. Hein? Et puis que vous êtes dans une zone bien inondable. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Mais plus votre degré de foi va augmenter, plus vous allez avoir des comportements différents. Plus vous allez intercéder, prier, mettre des trucs. Moi, le Seigneur m'a fait faire deux fois quelque chose d'absolument hallucinant. Tant pis si vous ne me croyez pas, ça m'est égal. Mais j'ai été saisi par l'esprit alors qu'on annonçait une énorme tempête. Et puis, comme je suis née bretonne, il y a toujours des baromètres à la maison. Lion ! Et je sais ce que ça veut dire. C'est que ça peut être des rafales, parce que j'ai vécu des tempêtes avec des rafales à 180, 190, et puis tout est embarqué. Hein. Et là, un jour, vous allez retrouver l'année parce que moi, je ne m'en souviens plus, je suis réveillé à 2h du matin par le Seigneur et parce que j'ai vécu déjà plusieurs très grandes tempêtes, je sens, vous savez, il y a une oppression avant la tempête, il y a une espèce de lourdeur qu'on reconnaît quand on l'a déjà vécu. Et tout de suite, je vais voir le baromètre et je vois qu'il était à zéro.
Et je dis, il va se passer quelque chose de terrible. Et là, je me suis sentie poussée. J'ai commencé à prier. J'ai ordonné à cette tempête. Vous savez, quand le baromètre est à zéro chez vous, c'est qu'elle arrive droit sur vous. Hein. J'ai ordonné à cette tempête de partir de là, au nom de Yeshua. Puis j'avais une détermination de dingue. Ben, j'ai peut-être pas fait la bonne prière, parce que le lendemain, elle est tombée sur la tempête Cindy, qui a fait je ne sais pas combien de morts. Donc je me dis, la prochaine fois, je ferai mieux. Non mais bon, c'est Dieu qui fait, hein, c'est pas moi, bien sûr. Mais en tout cas, je sais que j'ai détourné la tempête, et de toute la région. Mais c'est tombé sur une région peut-être que, qui avait besoin aussi d'un jugement de Dieu. C'est clair. Pas forcément les personnes qui sont mortes. Hein. Attention, les fautes des gens, ça a été prouvé après qu'ils avaient, que pour l'histoire d'argent, ils avaient construit dans des tas de zones où ils n'auraient jamais dû construire. Il y a eu des catastrophes. Mais peut-être quelques années plus tard, je me suis retrouvé pratiquement dans les mêmes conditions. Et là, je me sens mais soulevé par l'Esprit de Dieu. Je sors et je dis, toi, maintenant, au nom des Yeshua, toi, la tempête, tu vas t'arrêter tout de suite. J'avais une autorité. Je savais que ça ne venait pas de moi, que ça venait d'en haut. J'ai vu la tempête s'arrêter instantanément, alors qu'elle avait été annoncée à la télévision comme devant durer toute la nuit. Instantanément, elle s'arrête. Puis tout d'un coup, il y a une nouvelle rafale. J'ai dit, ça suffit, j'ai dit non. C'est arrêté, plus rien. Et je lis le lendemain, enfin j'entends les nouvelles, mais franchement j'ai ri. Je l'ai raconté, c'est vrai, j'ai vu des résultats de certaines de mes prières, carrément à la télévision. Et j'entends, on attendait une tempête pour toute la nuit, mais pour une raison inconnue, elle s'est arrêtée à 23h50. C'était à 23h50 que j'avais pris autorité sur la tempête. Non, je vous dis ça pourquoi ? Parce que face au jugement de Dieu, premièrement, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Face à toutes les choses qui arrivent, et ils arrivent. Nous ne devons pas paniquer, nous ne devons pas râler. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire ? Et qu'est-ce que nous devons faire ? Et qu'est-ce que nous pouvons faire ? Et ce que nous pouvons faire est exactement lié à notre foi. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. Et on oublie la petite phrase qui est derrière. Rien ne vous serait impossible. Vous savez qu'une fois ça s'exerce ? Notre foi, elle va grandir dans la mesure où on l'exerce. Si on l'exerce pas, elle reste tiède, elle reste lettre morte, elle est vaine, ne servira à rien. Donc, je voulais vous dire ça. Bon, alors, et puis, une fois qu'il y a un cataclysme qui est arrivé, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez de la colère ? De l'abattement ? Fuite ? Ou est-ce que vous dites, oulala, il y a des voisins qui ont besoin d'aide, là, il faut que j'aille les aider, même si tout est détruit chez moi, je vais quand même aller commencer par aider les voisins. Je veux dire que nous avons tous à voir des trucs. La question que nous devons nous poser, c'est, Seigneur, comment nous allons réagir ? Et je vais vous dire, vous ne le saurez que quand ça va arriver. Mais quand c'est arrivé qu'on n'a eu pas les bons comportements, il faut se dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas en moi ? Qu'est-ce que tu veux me prendre ? Le Seigneur veut nous transformer en permanence. Tout le temps. Moi, je dis souvent, en blaguant, je dis quelquefois au Seigneur, parce qu'il y a des épreuves, des trucs, des machins difficiles. Je dis, mais Seigneur, mais arrête, je suis parfaite. J'ai en général un retour par SMS immédiat. Pas pour moi. Donc, le Seigneur veut nous transformer. Et donc, dans les temps qui arrivent, ce qu'il veut, c'est faire une grande moisson. Donc, plus les temps vont devenir difficiles, plus au lieu de hurler de peur,
comme le monde, parce que le monde va hurler de peur et même de terreur, il va même périr de terreur, eh bien, si vous avez la bonne attitude, vous allez pouvoir faire des choses extraordinaires. Et notamment, ça va être le moment où il va y avoir une grande moisson d'âmes à faire. Amen. Alléluia. Alors, je cite, mais parmi des milliers d'autres, hein, il faut qu'on ait un arsenal de versets qu'on connaît et qu'on sait proclamer. Si vous lisez bien la Bible, Dieu va vous restituer au moment même les versets qu'il faut. Il a dit, ne préparez pas ce qui vous devez dire quelque chose devant un tribunal, ne préparez pas, les choses vous en seront données à l'instant même. Mais comment le Seigneur peut-il ranimer des versets bibliques si vous ne les avez jamais lus? Bientôt, il est bien probable, je ne sais pas quand, mais ça a déjà commencé la déformation, mais bientôt, on ne pourra plus trouver de Bible. Ou sauf des Bibles qui auront été tripatouillées, changées, pour permettre l'homosexualité, pour permettre ceci. Ça a commencé tout doucement dans certains pays depuis des années. Hein. Je parle des pays occidentaux. Je ne parle pas des pays musulmans où vous pouvez être tué si vous possédez une Bible. Donc, ayez des Bibles et surtout, lisez-la. Parce que c'est puissant, la parole de Dieu. Quand vous proclamez la parole de Dieu avec conviction, que si Dieu l'a dit, c'est la vérité. La parole de Dieu, ma parole ne revient pas sans effet, dit Dieu, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été écrite, envoyée. Amen. Alors, je vous donne quelques versets comme ça, vous pouvez les noter, mais il y en a des milliers. Cherchez. Plus vous serez imprégné de la parole, plus le Seigneur vous donnera les versets au moment approprié face à n'importe quelle situation ou pour parler aux gens, parce que la parole de Dieu ne revient pas sans effet. Donc j'en ai pris quelques-uns, mais très peu, parce que sinon psaume 121:7, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, c'est le plus important, garder son âme. Bon. Psaume 91:14, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. J'en cite que quelques-uns, hein. Vous pouvez lire tous les psaumes et puis prenez carrément Jésus étant l'alpha et l'oméga, vous connaissez toute la parole. Et il y en a jusqu'au bout de la Bible et depuis le début. On a ensuite une guerre civile, une razzia de voyous armés. On en verra de plus en plus. Il faut s'y attendre. Psaume 31:4, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu car tu es mon protecteur. Proverbe 3:25, ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de mort, une attaque de la part des méchants. Oh, Seigneur, je tremble. N'as-tu pas dit, ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Gloire à Jésus. Yes. Psaume 144. Éternel, garantis-moi tes mains du méchant. J'ai parlé la dernière fois de la violence croissante qui existait. D'accord. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Il y a de plus en plus d'hommes violents et de violence qui s'expriment de tous les côtés. Quoi qu'il arrive, retenez un verset qui, moi, accompagne tout le temps ma vie. Parce qu'il m'a souvent aidé dans les moments difficiles. Romains 8:28. Qui veut me le dire par cœur? Non. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout, c'est tout. Et au bien de ceux qu'il appelle selon son dessein. Donc, quelquefois, c'est pas pour nous, mais de toute façon, c'est pour quelqu'un que ça doit toucher autour de nous. Tout concourt au bien. Et c'est écrit. Donc c'est la vérité. Moi, c'est un psaume, un verset que j'ai très naturellement quand il y a des choses qui sont très dures à vivre. J'en ai, bien sûr, des choses très dures à vivre, comme tout le monde. Et donc, Seigneur, je ne comprends rien à ce qui se passe, mais puisque tout concourt à mon bien, je te fais confiance.
Ah ben. Waouh. J'ai perdu ma voiture le dernier séminaire. Capoute. Youhou. Terminé. Courroie de moteur. Yamp. Terminé. Distribution, oui. Plus rien. C'est sympa, hein. Chut. Poubelle. Elle valait quelque chose, là, elle vous conduisait tous les jours, et puis tout d'un coup, poubelle. C'était juste quand j'arrivais ici. Et puis, bon, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé, ce produit ? Tu es bon. Et tout d'un coup, je me suis aperçu qu'il y avait l'oncle d'un ami, qui va venir d'ailleurs cette semaine, qui était mécanicien. C'est lui qui est allé me chercher la voiture, qui a tout examiné, que tout était parfait, et qui m'a trouvé la voiture qu'il me fallait. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a mis un grand coffre. Ce sera peut-être pour mettre beaucoup de monde. Ou beaucoup de victuailles, je ne sais pas. C'était la voiture que Dieu avait choisie pour moi, parce que c'était juste celle qu'il fallait. Et il me l'a amenée à domicile, en plus. Non, mais Dieu est bon. Dieu est bon. Et il m'a donné les moyens de t'acheter à un prix très raisonnable. Ah, ok. Seigneur, tu es bon. Ma voiture est tombée en panne, tu es bon. Ma voiture est capoute, tu es bon. Tu sais, à un moment donné, il y avait quelque chose qui était dit dans les assemblées anglophones, c'était God is good, et tout le monde répondait anytime, oh God is good anytime, et il répétait jusqu'à, pourquoi on le répète, jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est vrai. Amen. Alors, Dieu est bon en tout temps. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Amen. Dieu est bon en tout temps. On est d'accord. D'ailleurs, on est d'accord, hein. On parle le même langage. Alléluia. God is good. Anytime. Alors, donc, nous devons simplement nous dire que toutes circonstances que nous traversons, bonnes ou mauvaises, Dieu veut nous parler. Est-ce que nous écoutons ? Est-ce que nous écoutons ? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ? C'est pas très réjouissant ce que nous dit la Bible. Parce que quand on lit les sept lettres aux sept églises de l'Apocalypse, ça se termine tout par « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il écoute ce que l'Esprit dit » aux églises, au pluriel, c'est-à-dire toute la chrétienté. Si quelqu'un a des oreilles, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui écoutent. Ça veut dire que Dieu cherche ceux qui écoutent. Et Apocalypse 3:20 se termine par qui est-ce qui laisse le citer ? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il est à la porte de quoi ? D'une église. Il n'est pas dedans, il est dehors. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, je souperai avec lui. C'est le dernier repas de la journée. Donc ça nous parle de la nuit qui arrive. Je souperai avec lui et lui avec moi. Intimité. Si quelqu'un s'en dit long, apprenons à écouter Dieu. Apprenons à écouter Dieu. Plusieurs fois, ça a été dit déjà depuis le début de ce séminaire. Et si Dieu nous exhorte, c'est que c'est urgent d'apprendre à écouter Dieu. C'est bien de louer le Seigneur, de faire des trucs, des danses, c'est super. Mais il faut aussi des temps de silence avec Dieu. Faites silence devant l'Éternel. Faites silence. Savoir se taire. Quand on va devant le trône de grâce, il est ouvert. Mais on est en silence devant le trône. Devant un roi, on ne parle pas. Devant le roi des rois, on ne parle pas. On est en silence. C'est lui qui parle. Le peuple de Dieu a besoin d'apprendre à écouter Dieu. À l'entendre. Jésus a dit « Mes brebis ». Entendent ma voix et elles me suivent. Et ouais. Donc si vous n'entendez pas la voix de Dieu, Dieu ne parle pas avec un haut-parleur, hein, je vous le signale. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il nous donne des convictions, il nous parle par sa parole, il peut nous parler par un âne, si on veut nous reprendre, hein. Une ânesse en plus.
Et même pas volée. Je l'ai sorti un jour dans une pastorale, ça. Ça n'a pas tellement plu parce que c'était dans une grande, grande, grande église où tout le monde était voilé à l'époque. Bon, j'étais un peu rebelle. Hein. Et j'avais la réputation d'être rebelle, alors il fallait bien que je la fortifie, cette réputation. Alors, donc Nimrod est un descendant de Cham qui a été maudit. Et c'est un fils de la colère. Qu'est-ce qu'il est dit ? Que nous sommes des enfants de la colère. Et donc, comment nous réagissons face aux épreuves ? Est-ce que nous allons être dans la rébellion et puis essayer de colmater les brèches par tous les moyens en disant « ça ne m'arrivera plus jamais ». Vous savez, on entend tout le temps les gens qui disent « comment ça peut arriver encore ça au 21e siècle ?» Bon, moi, quand je suis né dans le 20e siècle, tout de même, et quelques-uns d'entre vous avec, on entendait « comment au 20e siècle ça peut arriver ça ? Comment en 1968 ça peut arriver un truc pareil ?» L'homme croit toujours qu'il a fait des progrès, il n'arrête pas de dire. Comment en 2024, c'est encore possible, ça ? J'entends ce refrain depuis quasiment 80 ans, hein, d'accord ? Ok. Alors, ça se termine toujours par un écroulement général, je reparlerai de la Grande Babylone, mais je vais déjà l'évoquer. Apocalypse 18-21, c'est la grande ville, la Grande Babylone. Alors, dans le temps, tout le monde a dit la Grande Babylone, c'est New York, c'est Rome, c'est Paris, Berck, c'est... Mais non, la Grande Babylone, c'est... Vous n'avez pas vu que le monde se rétrécit ? Que les frontières disparaissent ? Qu'à la fin, l'Antéchrist va régner sur le monde entier, il n'y aura plus qu'un royaume ? Donc la Grande Ville, c'est la population entière du monde qui est dans la confusion la plus absolue spirituelle, qui ne connaît pas Dieu, qui est en rébellion contre Dieu. C'est aussi simple que ça. Mais ça se terminera par un écroulement général. Alors, Apocalypse 18-21. Alors un ange puissant prit une pierre qui ressemblait à une grande meule et la jeta dans la mer en disant, c'est avec la même violence que Babylone, la grande ville, sera jetée à bas et on ne la retrouvera plus. Vous savez que je crois que ce temps est très proche. À tort ou à raison, je pense que c'est très proche. Apocalypse 14-8, que tout va s'écrouler. Un deuxième ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. Il s'agit d'une ville spirituelle. Babylone, déjà Babel, c'était une ville où Nimrod s'était déifié lui-même. Et sa femme, Sémiramis, elle s'est déifiée. Et elle a fait déifier son enfant. Et on les retrouve sous la forme d'Astarté dans tout l'Ancien Testament, que tout le monde vénérait. Point final. Puis Jérémie nous parle aussi de la reine du ciel. Donc, c'est pour Jérémie, c'est 500 ou 600 ans avant Jésus-Christ. Donc avant Marie, on parlait déjà de la reine du ciel. Et c'était la déesse Isis qui était vénérée en Égypte. Vierge noire. Ça vous rappelle rien ? Il y a des vierges noires partout. Et c'est Isis qui représentait. Confusion. Apocalypse 18:2. Il cria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. Les oiseaux peuvent représenter des très belles créatures de Dieu. On le voit, la colombe symbolise le Saint-Esprit, le grand aigre symbolise le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Mais Satan imite, et bien sûr qu'il y a aussi l'expression les oiseaux de malheur, etc. C'est aussi, on nous parle de créatures qui sont dans le
deuxième ciel, et pas le troisième, ni le... mais aussi qui peuvent être dans le premier. Amen. Alors, nous sommes au bord, pour les mêmes raisons, de l'écroulement de la grande Babylone, de même, parce que nous voyons maintenant la confusion des langues. Nous voyons la confusion qui va de manière galopante. Je ne sais pas, rien que dans les 10 dernières années, on a vu un changement incroyable. Vraiment, d'inversion, de perversion, de toutes les bornes de Dieu ont été complètement bouleversées, transformées. Elles ont été jetées à la poubelle. Et ce qui a été appelé le mal est appelé le bien aujourd'hui. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de mai 68. J'ai fait mai 68. J'étais dans un état d'exaltation. Je n'étais pas chrétienne, évidemment, à l'époque. Mais un état d'exaltation. Parce que j'avais l'impression que je vivais vraiment un changement radical du monde. Ce qui n'était d'ailleurs pas faux. Mais je le voyais comme une méga liberté qui arrivait enfin. Tous les tabous étaient envoyés à la truc, etc. Pourquoi ? Parce que j'étais une rebelle. À Dieu, bien sûr. Et donc, j'ai vécu ça, et puis je l'ai vécu d'une manière particulière, parce que, à l'époque, j'avais un nom. Mon oncle était très connu. Il faisait une émission de télévision tous les jeudis, sur la Une. Moi, j'étais journaliste. J'étais, en plus, j'ai pu pénétrer tous les coins, recoins et comités secrets de la Sorbonne, etc. J'ai vécu ça, mais j'ai vécu ça pendant, ça a duré 7 semaines. J'en ai pas perdu une miette. J'avais vraiment l'impression d'avoir participé au plus grand changement merveilleux de la Terre et de l'humanité. Eh bien, quand j'ai commencé à voir les dégâts et la dégringolade morale qui s'en est suivie, quand je me suis converti, que j'ai ouvert les yeux sur toutes les lois divines qu'on avait mises par terre pour les remplacer par des lois humaines de plus en plus abominables. Et je trouve que ça devient asphyxiant. Je peux vous dire, du spar, je me suis vraiment repenti, mais vraiment repenti pour la France aussi, parce que j'avais été une participante très active. Mais et puis qu'on l'a exporté le mai 68 dans la terre entière, hein. Mais je me suis rendu compte qu'on avait mis le monde dans ses... on avait commencé à faire basculer le monde entier dans ces derniers temps, dans l'immoralité la plus totale, dans la confusion spirituelle la plus totale, la confusion morale la plus totale. On est en plein dans la grande Babylone maintenant, et on ne le sait pas. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je parlerai la prochaine fois de la grande Babylone et de toutes ses caractéristiques. Et vous allez voir à quel point c'est notre monde d'aujourd'hui. Ne rapatera pas Chinemaï. On va prier. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire. On va prier. Prendre du temps. Mais il y en a qui doivent ouvrir les yeux. Il y en a qui doivent se repentir. Il y en a qui doivent commencer à dire, Seigneur, je veux te louer en tout temps. Parce que tu es bon en tout temps. Même si je ne comprends pas ce que tu voulais me dire. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu me fais vivre ça. Ça m'est arrivé souvent de dire ça, Seigneur. Seigneur, mais je ne comprends même pas pourquoi je vis ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses ça? Et puis, il y a toujours un jour où le Seigneur nous éclaire, mais il attend que c'est fait son œuvre en nous. Et c'est après qu'on se rend compte qu'on a été transformé par le Seigneur dans toutes les épreuves. Il fait tout concourir à notre bien, le Seigneur. Il fait tout concourir à notre bien. Amen. On va avoir du temps pour louer le Seigneur, pour se réjouir, pour se repentir. On va laisser le Seigneur faire ce qu'il veut.